J'hallucine, on aurait jamais dû commencer à picoler si tôt, sérieux. On est là pour se mettre une bonne claque dans la gueule ou pas? Ouais. Et ce soir, profite d'être sous pour draguer. Ça fait combien de temps que t'es célibataire déjà? Un an. Alors, on se voit pas souvent. Alors ce soir, fais-toi plaisir, ok? Ok. Qu'est-ce que tu fous? J'arrive. Faut que je passe un coup de fil. Ok, à tout de suite. Bon anniversaire, ce fils. Bah, tu vois, la bouteille est vide, mais à part ça, ça va. Et encore, c'est pas fini. Ce matin, je me réveille, toujours pas d'eau, donc je suis toujours pas pris de douche. J'arrive la tête dans le cul à l'auto-école pour passer mon permis. Et là, je dois leur donner 253€ pour leur putain de leçon de merde. Ça commence vraiment à me gaver, ça, le permis et toutes ces conneries. Enfin, tu peux me lire le texto, là? Ouais. Enfin bon, tu comprends, quoi, 253€, ouais. C'est pas donné, quoi. Salut, comment tu vas? J'aimerais qu'on se voit si t'es pas trop occupé en ce moment, Alice. C'est qui Alice? Je la connais pas. C'est la copine d'un pote. Tiens, tu peux lui répondre. C'est bon, c'est envoyé. Merci. Donc, je leur file la thune, là, pour leur leçon pourrie. Et évidemment, leçon qui a servi à rien parce que je le loupe pour la deuxième fois. Donc ça veut dire je vais devoir le repasser une troisième fois, tu vois, je vais devoir encore leur filer de la thune, blablabla. Oh là là, la journée de merde. Ouais. Et encore. C'est encore Alice. J'aurais aimé qu'on se voit tous les deux. Est-ce que ça te pose un problème? Je lui réponds quoi? Tu veux que je te le dise? Non, c'est bon. Tiens, vas-y. Je vois ma place. Je vais lui répondre. Vas-y, Dan. De toute façon, t'es mauvais. C'est elle? Hey, est-ce que t'as vu quelqu'un avec moi dans la cuisine? Non, il y a personne. Quoi? Il y avait quelqu'un ou pas? Je sais pas, Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Ça va. Quoi de neuf? Pas grand chose, je viens d'avoir ma dernière année. Je suis donc officiellement au chômage. Et toi? Toujours à l'école? En ce moment, je suis en stage, mais mes examens sont dans 3 mois, donc c'est bientôt fini. Laurent, il va bien? Il va bien. Il a eu son BTS et là, il bosse dans un bar. C'est cool. T'as voulu qu'on se voit, c'était comme ça pour prendre des nouvelles ou t'avais quelque chose à me dire? Oui, je voulais savoir comment t'allais, mais... Enfin, oui, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y, lance-toi. Le truc, c'est que... Ça fait 6 mois que je pense à toi. C'est devenu une obsession. Je savais que t'allais me dire un truc comme ça, mais... Ouais. Je sais, fallait que je te le dise.
Laurent, là. Laurent, il faut croire, il s'est rendu compte de rien. Je sais pas si je vais rester avec lui. C'est pour ça que je vais t'en parler, en fait. Et qu'est-ce que t'en penses? À propos de quoi? De toi et moi. J'en sais rien. On se connaît quasiment pas. En plus, à chaque fois que je te voyais, tu me disais rien. Enfin, c'est vrai que je comprends mieux pourquoi, maintenant. Enfin, Laurent, ça reste mon meilleur pote depuis 5 ans. Ouais, je sais. Alors, je sais pas. Bon, c'est clair que tu me plais, je peux pas dire le contraire. Mais là... Ça va faire combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans. Toi, tu veux quitter? Je sais pas, peut-être. Ça dépend de toi un peu. Non, mais attends, faut pas que ça dépende de moi. C'est d'abord toi. Qu'est-ce que tu veux? Si t'aimes Laurent, tu restes avec lui. Sinon, tu le quittes. Ensuite, moi, maman, on verra. J'ai vraiment pas envie de perdre un pote comme Laurent, donc... Voilà, je vais pas sortir avec toi alors que t'es encore avec lui. Tu vois ce que tu veux de ton côté, c'est tout ce que je peux te dire. Est-ce que je peux te demander un truc? Ouais, vas-y. C'est... En fait, j'ai toujours cru que tu m'avais dit un truc à l'anniversaire de Sophie, mais j'étais tout bourré dans la cuisine, je me rappelle plus trop. Donc... C'est un truc. Je rêve de toi. Si, ouais. Si, mais je m'en souviens pas non plus, j'étais un peu pareil. Bon, faut que j'y aille, je vais te laisser. Ouais. En tout cas, je vais réfléchir à tout ça et... merci, hein. Merci de venir. Ça me fait du bien de parler. Bon, t'inquiète, ça va. Puis si ça va pas, tu m'appelles? Oui. Puis bah, peut-être qu'un jour, dans 10 ans, on sera ensemble. Ouais, peut-être. Bon, salut. Salut. Tu me quittes ou tu me quittes pas? Faut bien le temps. Mais j'aimerais savoir pourquoi tu pourrais me quitter. Je sais pas, si j'en ai besoin. Je sais pas quoi te dire. Ouais, mais t'as bien raison. C'est facile de dire tes je sais pas là. Mais j'aimerais que tu me les dises, putain. C'est simple ce que je te demande, non? Clan, on en parlera plus tard. Mais putain, on en reparlera quand alors? Mais je sais pas, ce week-end. Ouais, c'est ça.
personne, je vais faire une course. Je reviens dans 5 minutes. Ok, donc on va tout de suite. Allô? Ouais, viens et toi. Ouais, je sais pas ce que si tu m'appelles, c'est pas pour de bonnes raisons. Le texto que tu m'as envoyé samedi soir. C'est Laurent qui a mon portable, il l'a vu. Tu les avais pas effacés? Non, je crois les avoir effacés, mais... Mais il était en colère, il n'a rien voulu savoir, il me tire la gueule. Mais en fait, il veut plus entendre parler de toi. Le truc c'est, il veut plus qu'on se voit non plus. Je te peux aussi pour le dire. Ok, je comprends. Je suis désolée. Moi aussi, je suis désolée. Au revoir. Au revoir.